Bonjour. Le deuil est une expérience intime et souvent taboue. Lorsqu'un mot couvert il est évoqué, c'est bien souvent à l'aide d'expressions usées, vidées de leur sens. Il faut que tu fasses ton deuil, tourne la page, arrête d'y penser. Des phrases toutes faites que vous avez déjà peut-être entendues et qui causent bien souvent plus de colère, d'anxiété, d'incompréhension que d'apaisement. Vous qui regardez cette vidéo, peut-être aimeriez-vous recevoir un peu de soutien, éprouver un peu de réconfort, être simplement rassuré sur ce que vous vivez et pourquoi pas ressentir un moment votre peine s'adoucir. Ces vidéos sont faites pour vous, pour expliquer ce qu'est le deuil, pour dire qu'il est normal de souffrir, que cela va prendre du temps, pour vous rappeler de prendre soin de vous. Votre souffrance évoluera. Petit à petit, elle s'apaisera. Le chemin du deuil est long, sinueux et rocailleux. Il est fait de montées et de descentes, mais il débouche sur une clairière, plus douce, plus paisible. Ce programme, créé avec des psychologues spécialistes du deuil, vise à mobiliser les ressources que vous avez en vous et autour de vous pour vous aider sur votre chemin de deuil. Avec ce programme, on souhaite vous fournir des ressources et des repères pour vous apporter une aide concrète dans cette douloureuse épreuve. Même si vous en doutez parfois, vous avez toutes les ressources en vous et autour de vous pour retrouver une certaine paix intérieure. En ce moment même, il est possible que l'idée qu'un jour vous alliez réellement mieux, que vous puissiez à nouveau rire et éprouver des moments de plaisir vous soit complètement inimaginable. C'est normal. On pense que c'est peut-être le cas pour les autres, mais pas pour soi. Mais au fur et à mesure, on comprend qu'aller mieux ne signifie pas l'oubli de la personne aimée, que cela ne diminue pas l'amour qu'on lui porte et que cela n'efface pas le manque de son absence. Sur la terre que le feu a dévastée, si vous me permettez cette image, vous découvrirez que tout n'a pas été détruit. Après la pluie et la tempête, vous verrez près des troncs d'arbres calcinés des pousses vertes surgir des cendres. Elles grandissent et se déploient, lentement, par à-coups. D'abord presque de manière imperceptible, puis avec plus d'assurance. Et vous vous rappellerez peut-être alors ces quelques mots. Même au cœur de la tempête, derrière les nuages, reste le soleil. Mais d'ici là, il y a une blessure du cœur à panser. D'ici là, il y a un chemin qu'il vous faut parcourir. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire maintenant pour découvrir cette aide en ligne. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera notre première séance ensemble.